DOD, on est reparti pour du Cult of the Lamb. Deuxième partie de la soirée. Je vais envoyer quelqu'un d'autre pour faire des trucs. Je pense que je vais faire encore des pièces en vrai. Ah, oh, peut-être le bois. 92, 92... Ah, 93 pour le bois. Et ben, j'ai envoyé Telmir. Hop. À ce plus. Et moi, j'allais aussi en mission. J'accomplis un rituel. Ah voilà, on a des nouvelles portes qui s'ouvrent parce qu'on a 10 adeptes. Et 10 adeptes, c'est bien. Par contre, je vois pas le chat. Voilà. Well. Bah ouais, hein, je regarde ce que vous savez faire. Et du coup, bah, si je peux m'en servir pour vous envoyer récolter des ressources, moi ça me va. Oui, Anoura. Ça vibre de ouf. On vote pas du coup? Bah non, je pense que c'était un bug. Mais vous pourrez voter à plusieurs moments, hein, mais là, je pense que c'était un petit bug. Faire quoi pour être dans le culte? Quand j'aurai un nouvel adepte, faudra juste accepter de participer au tirage. Et si t'es pris, ce qui a de grandes fortes chances d'arriver parce que tous les autres du chat étant déjà dans mon culte, et ben... Bien, important le T là, quand même, dans cette phrase. Et ben, ils peuvent pas y être deux fois, on peut pas y être deux fois. Donc si tu participes au tirage, t'es quasiment sûr d'être sélectionné. Et du coup, après, tu seras dans le jeu en tant qu'adepte. Et tu pourras choisir la tronche de ton adepte. Voilà. Hache des infidèles ou... Enfin non, c'est pas où, c'est les deux, mais ça c'est le truc que... Hache des infidèles, c'est celle que j'avais déjà, je suis pas sûre. Peut-être. Perce la terre pour déverser une horde de fantômes qui cible les ennemis proches. Ça a l'air trop stylé. Et qui ça c'est qui déjà que j'ai pris comme... comme créature qui me suit, j'ai oublié. Je pète tout pour voir si on peut avoir des trucs intéressants. Allez, on y va. Je vais essayer de voir tout de suite ce que c'est qu'on sort. Oh, on a des nouveaux ennemis, c'est trop bien. Ah oui, c'est sympa. Parce que la faille reste un peu, du coup. Ok. Donc là, on est dans le second biome. Le second biome, on va dire. Le second type de donjon. Donc je découvre totalement là les ennemis et tout ça, j'ai pas fait encore. Hein. Bon, eux je connais. C'est vrai que, punaise. La hache est extrêmement lente. Vous avez obtenu collier d'ossement. Permet à un adepte de vivre deux fois plus longtemps. Cool! Je vais l'offrir, je sais pas qui en revenant, mais je vais l'offrir. Ah bah un petit escargot. Et du coup je peux avoir des coquilles, donc il y aura sûrement des nouveaux crafts possibles avec. C'est cool. Safanalu, le démon qui me suit, mais oui! J'aurais dû m'en douter. C'est moi qui fais ma promenade avec l'OXCV. Un certain, ils n'ont pas fait le tirage. La fois, chaque fois que j'étais pris dans un culte, je me faisais sacrifier car j'étais un rebelle. Ça m'étonne pas de toi, ça. T'inquiète pas, si je te sacrifie, je pourrais quand même après te ressusciter. Est-ce que ça te rassure? J'ai pas une thune. Je peux saigner des gens s'il le faut. Bah ça peut m'arranger hein. Non mais nous on vit en commu. Même le chat peut te ressusciter. Oui. Alors. Je fais le cœur parce que de toute façon vu que je découvre la map ça me sert... Enfin si ça me sert de révéler la carte mais... j'irai de toute façon dans toutes les salles donc... Donc c'est pas forcément nécessaire. Par contre le demi-cœur, toujours bien, je prends. J'ai que 72 pouces. Bon j'en aurai normalement 75 à la fin, mais faudra pas que je meure. Vas-y, mal aux mains. On dirait qu'il se cogne quelque part et dit vas-y, j'ai mal aux mains. Alors. Eh ? Pitoyable petit pendant de la couronne rouge, tu as abattu notre cadet. Nous sommes les prélats de la vieille croyance. Nous allons
Nous la protégeons des mécréants tels que toi. En tant que gardien de la bonne foi, nous ne tolérons pas un tel blasphème. Les péchés sont nombreux. Par ta faute, les fidèles adeptes doivent souffrir. Santé ! Oh non ! Oh non, ils lui ont collé un mal de ventre ! Franchement, t'es trop cruel, hein ! Putain, maintenant elle a la gastro hantée. Ça me dégoûte. Bonsoir Loris. Non mais vraiment, c'est beaucoup trop cruel quoi. Est-ce que j'étais partout? Oui oui, j'étais partout. On va dire que oui hein. Ah merde, j'ai appuyé sur une touche, je voulais pas du tout. C'est pas moi! La filée la gastro quoi. C'est quoi ça? Je vais aller là, je vais voir ce que c'est. Non mais c'est carte, tout simplement. Un peu idiote moi. En fait j'ai des dégâts de poison, ça c'est trop bien. Je savais sur qui t'offre de laine, des bisous. Merci Loris! Des os du coup, c'est dit bonjour, au revoir en très peu de temps. On t'a la gastro en cause d'un rituel. Du coup, on peut dire qu'il y a la gastro entérite. Efficace, efficace, y a pas à dire. Pourquoi il fait bien mal, Infernal? J'ai mal au culte et j'applaudis. Ah, faut que je me concentre là, du coup je... Ah, j'ai full os. Bon, pas tant que ça en fait, j'aimerais bien en avoir plus. Hein. Y'a pas vraiment moyen de farmer les os, j'ai l'impression. Tac, on va aller là. De toute façon, on va faire les deux. Alors. Oh, c'est un nouveau truc. Souvenir d'Ithaca, des piliers de glace qui gèlent les ennemis. J'aime pas trop le maelstrom. Je vais garder mon truc, en vrai j'aime bien. Ça explose, c'est pas mal. Par contre, je continue à tout péter, hein. Évidemment. Ah mais en vrai, je peux tester ça. Je vais équiper, je vais tester, je vais voir. Et ça maintenant... Oh non, il est diamant royal! Mais c'est pas possible! Je vais prendre les pics de glace en fait. Pas mal. Donc on peut casser ces trucs-là s'il y avait un truc à looter, je crois. Diamant Infernalo, il casse des cultes! Ah, vu que ça gèle, ça peut être pas mal. Hein. Non, franchement, il fait bien mal. Hein. Avoir un adepte à niveau élevé, c'est pas mal. Hein. J'ai dit, j'avais emmené Kusaki, il était à niveau assez élevé aussi, mais le truc, c'est qu'il faisait des explosions. Mais le cooldown avait l'air long pour les explosions. Alors, il y a 3 projectiles à la fois, ou 2 secondes d'invisibilité, blesse et repousse ses projectiles. Bon, je vais tester un petit peu ce que j'ai déjà. Là, je teste trop de trucs, là. Cuisine.
prendre des dégâts, moi. Putain. Ouf. Oh, j'ai un nouvel adepte. Trop bien. On commence à en avoir beaucoup, là. Il a vraiment une sale tronche. Mais je l'aime bien. Des citrouilles, je pourrais peut-être les planter. Oh, les citrouilles. Pour voir si je pourrais faire une nouvelle plantation. Je viens de là. Retour à la base ? Ouais, je retourne à la base. Parce qu'on a un mort et que du coup, ils vont tous déprimer. Hérétique vaincu. Ça fait beaucoup de cul. Les adeptes meurent de faim carrément. Ça va, il y a plein de bouffe. Hein. Ils peuvent se cuisiner un petit truc. Hein. Pas obligé de tout faire. Hein. Il est où le mort ? Il est là. Oh, qu'est-ce qui est hanté ? Comment te soigner ? Je vais lui dire d'aller se reposer. Je peux pas le mettre dans l'ancienne tombe d'Anté d'ailleurs ? Trop bien. Pas pratique ça. Alors, on va faire de la bouffe. Quoi que j'en ai sûrement. Mais voilà. Je veux pas rater des plats. On va ensuite un peu tout nettoyer. Ah, j'ai un autre mort. Ah non, il... Bah alors... Pourquoi il va pas dormir ailleurs ? Ah, c'est parce que je l'ai pas envoyé dodo. Va dodo, va dodo. Ah mais oui, il est tout fatigué parce qu'il m'a accompagné en mission. Normal. Ok, ils ont l'air un peu plus heureux là. J'aimerais bien récolter plus vite. Il a vu un caca, il était trop content. Oui, il rigole quand il voit des caca faire un gif. Mais c'est pas le seul, hein, ils font ça des fois. Ou alors, il y en a certains, ils sont trop dégoûtés. Merci pour le totem. On a déjà quelques graines, puisque je sais pas. Voilà. Je sais pas comment il en reste, mais dans le doute. Ah, je vais pouvoir faire une ferme à champi aussi. On va faire ça après. Je vais faire ça à part. Ok. Ah, j'en ai pas beaucoup, hein. J'irai en acheter. Ensuite, on va faire un petit rituel aussi. Et je pense que je vais... Ouais, je vais faire ça. Je vais construire des nouvelles plantations. Et on va faire le rituel de construction. Comme ça, ils seront contents. Je vais faire ici. Que non, peut-être le faire vraiment ailleurs. Comme ça m'arrange pas. Je l'ai peut-être pas très bien placé aussi mes trucs. Hein. Bon, ici je peux faire. Je vais mettre les champis ici. Merde. Voilà, et je vais construire à côté du coup le truc. Voilà, le poste de fermier, je vais le construire à côté.
terrible là. Enfin, comme ça, c'est mieux. Oui, c'est mieux là. Hop. Et je vais construire un autre d'autres postes. Ah ouais, je peux faire un truc qui vous, en, qui vous diffuse de la propagande. Vas-y, je vais faire ça. Ah, mais faut que je fasse ça à un endroit où ça travaille. Ah si, ce serait bien. Parce que je trouve que les fermiers sont très lents, mais en même temps... Est-ce que c'est si important? Peut-être ici, alors. Pas mal, ça. Hop. J'en profite, on va faire le rituel de construction. Du coup, tout va se construire instantanément. Petit sermon d'abord. Stream en capture, tu as plus une notification du jeu. Là, vous les avez pas vus ? En capture de jeu ou d'écran ? Parce que moi, oui, je vois les petites notifs. Comment ça fonctionne ? Ouais, ouais, normalement, limite, ce serait peut-être l'inverse. Normalement. Couronne, du coup, on va voir un nouveau précepte, une nouvelle doctrine. Dans la bouffe, tiens, on va voir un peu. Richesse du sol ou de l'océan? Ah. Développe le rituel permettant de faire pousser immédiatement toutes les graines déjà plantées. Immédiatement? Débloque le rituel permettant d'augmenter les chances de pêcher des poissons spéciaux et de doubler le nombre de poissons pêchés pendant 2 jours. Oh, les deux tons sont tellement utiles. Parce qu'en vrai, les poissons... Bah, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool d'aller pêcher. Franchement, je vais faire poisson. Pour le moment, la bouffe, ça va, on s'en sort. Je vais faire poisson. Et au pire, je peux sacrifier des adeptes. Ouais, ça coûte encore ultra cher comme rituel. Parce que ça augmente seulement les chances, donc je trouve que c'est un peu cher. Bref, on va faire le rituel du coup de construction. D'édification. Armand et Pumba. Ouais. C'est moi, mes mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. À boule, ta monnaie, t'es dans mon culte. Merde, les notifications. Moi, j'ai plus de notif. J'ai plus de notif. Le totem. Le totem. Ok. Du coup, tout a été construit instantanément? Oui. Là, je vais mettre... Voilà. Ça, c'est en cours. Trop bien. Ah, faut que je mette du combustible dedans. Eh ben, j'en ai pas. Voilà. Ça, c'est fait. C'est ça le... Attends. Il ressemble à quoi? Il ressemblait... Ah, faut que j'accepte le cadeau d'Afarnalou. Lingot d'or. Combustible de l'or. Ah, fou hein, comme combustible, hein. Je crois. D'accord. Oh, j'ai un nouveau, c'est vrai. Bah, tiens. Cool. C'est cool. J'avais quoi à faire? J'avais un truc à faire et j'ai oublié ce que c'était. Bah ça, et avant j'avais un autre truc à faire. Donc j'ai acheté des graines. Ça c'est des souris oh là là, des araignées souterraines. J'ai l'impression, non? Ah, peut-être que juste elle faisait de la fumée derrière elle, mais je la voyais pas tellement elle était rapide. Alors je crois refasse une maison alors. Ah mais oui, il y en a une, il y en a pas là, attendez. Ah oui, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Oh, j'en vois que...
retiens. Pas tout de suite. Hein. C'est pas important. Ça, par contre, c'est important. Attention, vous allez pouvoir choisir l'adepte. Faire une maison à Vendis. Oui, ça y est, c'est fait. Gusion. Oh, me construire une belle maison. Mais c'est en train, hein. Vous avez, eh, vous avez des cabanes. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, faut que je fasse plusieurs chiottes, ouais. Ça, c'est une bonne idée. Attention, 3, 2, 1. Le tirage va commencer maintenant. Morfufu, bisous-toi. Je peux avoir un palais? Il y a un temple déjà. Il y a déjà quelqu'un qui a fait caca dedans, ça me dégoûte. Un palais, ouais, plus beau que... Enfin, plutôt beau, quoi. Un petit morfufu est né. Il se soigne 15% plus lentement une fois au repos, mais il gagne de... Il gagne des trucs. En rejoignant. Bonne nuit, petit Gritou. À ce plus. On peut se faire bien. Ah non, je vais l'envoyer. Ah oui, mais je veux bien l'envoyer dodo, mais j'ai pas. Réveillé, non. Ah oui. Vivi. C'est vrai que j'ai pas de quoi lui construire. Ouais. Wouah. T'adaptera. Hein. C'est quoi ça? Giroal de luxe. Pourquoi là ça brille? Et là ça brille pas. Ça m'énerve. Ok. Bon, tout le monde a l'air d'aller bien. Je vais refaire un tout petit peu de cuisine et puis je vais me barrer. Merde, j'ai fait toutes mes citrouilles. Je voulais voir si je pouvais les planter. Bah, je pense que la réponse était non, de toute façon. Bon, je trouve des graines de citrouille. Ok, je vais aller là et on va aller voir si je peux acheter des graines de citrouille maintenant que j'en ai trouvé. Oui! Ah ouais, j'ai acheté que 2 graines. C'est pas très grave. Bon, pour le moment, j'ai planté ici. Voilà. Faut que j'envoie quelqu'un en mission aussi. Ouais, ils vont y aller, ça. Voilà, ils ont fait caca partout, évidemment. Non mais, faites caca dans les toilettes. Ah mais elles sont pleines. C'est bon? Oui, c'est bon. Pourquoi personne va faire ça? C'est bon, je peux laisser le clan comme ça? Il va bosser tout seul? On va dire que oui. Hein. Tac. Allez, c'est parti. Je vais envoyer quelqu'un en mission. Oh non, il y a déjà quelqu'un qui est en mission. Je vais alors prendre un copain et me barrer en donge. Mais j'ai béni personne aussi avant. Attendez. Là quand même, faut bénir un peu. Il faudrait que je fasse un sermon. Non. Puis
cuisiner quelque chose grâce au feu de cuisine. Comment ça, il y a rien à manger? Voilà, un plat de légumes. Avant, je te bénis. Ouais, c'est possible, mais t'inquiète pas, je te résurrecterai. Ne t'en fais pas, c'est prévu. Mais c'est possible, ouais. Et c'est le genre de truc possible. T'as peut-être... Non, les oiseaux, non, dégage. Eh merde. Absolument que je fasse un... Oui, quoi. Ouais, venger l'affront que m'a lancé Vendis. J'aimerais l'affronter dans l'arène. Ok. Ok, mais mais faites chier, mais ok. Est-ce que je peux le faire? Oh non! Oh, bordel, ça va être chiant. Alors. Je vérifie pour les oiseaux, mais ils vont tout bouffer, ça va être très chiant. Est-ce que j'ai béni tout le monde? Pas du tout. Si. Quoi? Toi non. Ah oui, ceux qui sont là. Pas fait. Regardez, les chiottes, elles sont déjà pleines. Faut que j'en refasse un. Baston. Oui, ça va être très marrant, par contre, l'arène. On va faire ça. Mais il me faut encore des trucs. Il me faut encore des os. Merci pour le totem. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai béni tout le monde. Oh, ah, j'avoue, ça s'empouille vénère. Ah non, ça va. Est-ce que je peux fabriquer du coup ce truc? 30 pièces. Hmm. Je sais pas si j'extorque genre 6 pièces. Hein. Et tout. Je lui donne des sous. Merci. Petite extorsion là. Je vais construire un épouvantail. Il me faut 30 pièces, j'en ai 23. Merde. Merci pour l'extorsion. Il manque plus que 3 pièces. Ok, ça a l'air d'être bon. On va pouvoir faire un nouveau épouvantail. Enfin, 30 pièces pour un épouvantail, c'est tellement moche. Je vais mettre celle-là au cas où je mets un autre truc à côté. J'ai fait B. Voilà. Et je vais faire de la bouffe et partir. Avant, on va faire un petit rituel de transformer quelqu'un. Enfin, dans le jeu, c'était bien. Et en T, dans Fornax aussi. Non, bah, on va reprendre un Fornalou. Hein. Pendant ce temps, je fais un petit peu de bouffe. Merde, j'en ai raté un. Ils vont tous faire caca, alors je reste encore quelques instants. Ah voilà, on m'en doutait. Ah, génial, faudrait que je fasse des toilettes ici parce qu'ils vont tous vomir ici, ça m'énerve.
On avait beaucoup de caca. Génial quoi. Mes champis. On se part avant, on va peut-être en récolter d'autres. Allez, on s'en va. On sort, Yuent. Merci pour l'éco-trib. Vachement sympa. Sans des dieux versés. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Des créatures savoureuses, non. Restez ici, il y a bien assez de place pour deux. Un conseil, laisse pas tes adeptes s'éloigner. Qui sait sur quelle créature affamée il pourrait tomber. D'accord, ah je peux acheter Aaron. Bah non, hein. J'ai pas de thunes. Hein. Des os, Aaron. Hein. Giga des os même. Pas de sous. Non, j'ai pas de thunes pour Aaron, hein. Il est bien sympa, mais. Chouchou, bande de losers. Bah c'est pratique, ouais. Petite lame maudite, là. Ça peut être chargé. Ah! On va regarder ça tout de suite. Oh putain, c'est pas mal, ça. Ça me plaît beaucoup. Ah, c'est pas mal, hein. Attendez, je tape, voilà, pour récupérer des trucs. Ah, on peut vraiment les péter, ces trucs. Ah, vous voyez le notif, ça va. D'accord. Bon, c'est bien, ça m'a donné du bois. Bien cette gros là. Bah avoir du... Non bah j'arrête. Ok. Je vous fais pas de mal, promis. Je pensais pas que je pouvais les tuer, d'habitude les PNJ on peut pas. C'est très rigolo en tout cas. Là, j'ai besoin d'os. Hein. Ah là-bas, il y a un petit cadavre. Voilà. Je pensais pas que ça marcherait, hein. Je pensais juste tout péter chez eux. Mais... Oh! Attendez, attendez. Un pentagramme à 5 branches, 5 mauvais présages, 5 membres d'une même fratrie, côte à côte, 5 dieux, une seule. Shamura, nous ne voulons pas te déranger, seulement. Shamura, la couronne rouge gagne en puissance jour après jour. Elle a réussi là où il a échoué. Leshy a été tué. Lorsque les 5 deviennent 4, puis 3, puis 2, puis 1, les 5 ne sont plus. Shamura, repose-toi. Nous allons nous en occuper, hein. Mais va te coucher, tu fais chier tout le monde. Toi, minable porte-couronne, incline-toi, ou tu vas le regretter. Oh, je m'incline trop pas, mais ils vont me défoncer. Incline-toi. Je peux incliner, malgré la pression.
Je sais même pas si t'as encore envie pour te goûter. Le premier toit, peut-être pas. La deuxième toit, oui. Voilà. Bon, bref. Je me casse. Vous décidez de mon destin. Oh merde, je pensais que j'avais une portée plus grande. Je fais n'importe quoi là, je vais en frontal. Plus cher, inutilement. Il avait écrit un truc, mince. J'ai pas vu. J'ai pas du tout regardé. C'était quoi? Il avait écrit quoi? J'étais vraiment occupée à tout looter. Et trapille. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis invincible, c'est ça? Tu vas exploser. Non! Quel gros culte! Et il paraît assez différent. 30 secondes d'invisibilité. Punaise, je l'ai au pire moment. Mais merci, c'est gentil. 10% de clignes qui ont tué l'ennemi, on fait ça. Un vote Twitch, ouais. C'est con, le vote il est arrivé au moment où j'avais plus rien à tuer. Bon dommage, alors que à la... Au truc d'avant, ça aurait été bien. Ouais, de droit, hein. Oh, j'ai des spores hallucinogènes hein. Du coup faudrait que je les envoie et que j'aille voir quelqu'un. Oh, la moula, ça c'est trop bien. Oh, je suis trop contente. Tous les trucs en os. Par contre, ça, l'écran tremble un petit peu à chaque fois que je mets un coup. Parce que je mets des gros coups, et ça donne mal au crâne. Et aux yeux. Et à tout, en fait. Un peu au coude, même. C'est d'entre chaque coup de ton perso super long. Ouais. C'est pour ça que là, je vais tout de suite changer d'arme. C'est vraiment trop long. Parfois lorsque tu as un ennemi, vas-y, prends ça. Ah voilà. Bordel, voilà. C'est bon, je le tire. Je fais quand même du dégât. Hein. Ok. Oh, la civilité. Non, je vais garder mon petit coup là, j'aime bien. Même si ça pourrait être utile, la civilité, je testerai un de ces quatre. Là, je fais n'importe quoi. En fait, je regarde au-dessus, je regarde ma barre de vie et tout ça, mais je regarde pas l'écran. C'est pas mal, hein.
peux atténuer le fait que des petits tremblements. Mince. Au niveau de la caméra. J'ai pas l'impression. Réduction des mouvements de caméra qui est activée, donc donc bon. Intensité de secousse. Ah voilà. Je vais mettre très léger. Ah c'est mieux. Ah j'avais jamais fait gaffe avant. On a juste plus, mais c'est pas grave. Plus agréable. Ok, faut que j'aille à gauche. Hommage à la nature. Waouh, trop cool! Elle est trop sympa l'arche. Hein. Mais c'est un déco, j'ai plein de trucs qui font vieille. Ah, je peux choisir. Moi, je vais là, tiens. Mon chemin ne sera pas une ligne droite. Elle sera semée d'embûches et d'aléatoires. Hein. J'ai failli crier. J'ai un peu commencé à crier, mais je me suis arrêtée. Les hautes herbes empêchent vraiment de voir les projectiles. C'est fort désagréable. Bon, de toute façon, on va tout faire. J'ai essayé de faire mon coup spécial, mais ça n'a pas voulu. Putain. Ça one-shot même pas les toutes petites grenouilles à la con. Un peu décevant. Ah, ça c'est bien. Je sais qui se trouve à l'écran. Hein. Ok, ça c'est bien. 10% de chance de bloquer des galères. Ouh, je prends. Ça ? Ah, une offrande. J'ai pas assez de sous. On fera ça peut-être un de ces quatre. Mais quand on aura une super run et que ça vaudra le coup d'aller loin et que d'optimiser tout. Mais là pour le moment, non. Oui! Ça donne des cailloux tout ça? J'ai pas l'impression hein. Des fois je pète des trucs mais j'ai l'impression que ça, vraiment que ça me donne jamais rien. À part l'herbe. Personne n'était emprisonné aujourd'hui, croyance. Oui. Ça vient du fait que je suis pas là quoi. Bah c'est chaud de faire chier le monde quand on est absent. Possible mais c'est chaud. Au corps à corps destructrice qui gèle également les ennemis. Trop stylé. Hein? Non, les discords c'est chiant. Par contre, ça me plaît. Ah, trop bien. C'est joli en plus. Ça me plaît bien ça. J'arrive, on va bientôt revenir au camp. On va pouvoir voir les contributions. Ah ça c'est du champi ça.
Ah, le gel, non, mais oui, c'est pas un dot. Enfin, c'est un dot de ralentissement, mais pas de dégâts, quoi. Oh, je touche. Peut-être pas m'embêter avec les cailloux, parce que pour le moment, ça n'a pas l'air d'être très utile. Pas tout ça non plus, d'ailleurs. Waouh! Oh, le finish! Il y a des trucs qui me tombent dessus, mais c'est pas un mob, c'est juste la map quoi. Il me tombe sur la gueule. Pas sympa. Non, je suis foncé dedans. Non, mais j'aime bien ce que j'ai. Laissez-moi tranquille. Y'a pas d'os là? Je veux du sang. Bon, je m'en vais. C'est bien, Mikyu. La map que je préfère. La mappy. Pourquoi la mappy? J'aurais bien aimé avoir mes. Ah voilà, là j'ai. Donc ça fait à la fois du poison et de la glace, mais trop bien. La mappy, d'accord, à chanter sur l'air de la map, ok. Ouais mais ça faut préciser avant, sinon moi je lis mal, et après c'est tout niqué. Oh, compliqué. Mais j'ai un grappeau. Fligo ça. Ouh, c'est chiant ça si j'ai pas mon pouvoir. Non. Il me faut mal. Oh putain, je fais n'importe quoi. Non. J'étais en train de mettre un coup alors du coup j'ai... Fais chier. Non! J'ai roulé dans le mauvais sens! Non! Ça faisait longtemps que j'étais pas mort. Oh, du coup, j'ai tout en divisé par deux. Fais chier. Ah non, beaucoup moins divisé par deux. Donc ça va. Mais mince, j'avais plein de sous. Mais oui, pourquoi n'y ai-je point pensé? Sauf une perso, ces jeux sont pas si sûrs de la goût. Il y a ça, oui, dans le jeu, il y a beaucoup de retours. Il y a une mission à bien, merci beaucoup. Je vais t'envoyer dodo maintenant. Attends, attends, attends. Déjà, je te bénis. Et ensuite, pas dodo. Ensuite, on va voir ce que ça nous réserve, ça. Pas un nouvel adepte, ça m'arrange pas. Là c'est quoi? Oh oui, un plan. Oh, il faut ressusciter Christian. Un grand sac de champignons violets, merci beaucoup. Trop bien. Il a passé 10 points d'adepte, 2 secondes.
Il faut que je nettoie et que je fasse à bouffer à bord. Ok, on va faire à manger. Je veux pas planter à chaque fois, je veux récolter ce qu'il y a à côté, mais ça veut pas. Voilà, je vais refaire à bouffer. Oh merde. Quand je vais vite, j'en perds un. Faut que je nettoie, faut que je nettoie. Là, ça va être tout dégueu. Oh, Pitou, il est tout vieux. Ah, faut que je prenne des pastèques. Des pastèques, qu'est-ce que je dis des... Pareil, des citrouilles. Ok, je vais reconstruire. C'est chiant, ça. Alors. Mettre les deux. Plus tard ça. Ah si. On passe ça, ça. Ça je vais mettre. Oh j'ai pas. Dommage. Je vais mettre les pépites d'or mais j'en ai pas. Oh ils ont vomi là. Mais pourquoi ils vomissent tous? Parce qu'il y en a un qui a chié encore. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas tous les lits. Attendez. Attendez, on va faire ça aussi. Voilà. On va pouvoir aller dodo. Alors, qu'est-ce que je peux prendre en plus? Là, j'ai tout pris, hein. Oui. Totem de culture. What? La vitesse de croissance de toutes les... Ouh, je prends. Plastique en plastique. Une plastique. Non, mais c'est surtout que c'était pas plastique, c'était citrouille. C'est exactement la même chose en même temps. Alors... Ah mais... Je viens de comprendre que ces plats-là, ils ont vu qu'ils sont une étoile, ils ont un pourcentage de chance d'envoyer direct... Pardon ? D'envoyer direct les adeptes chiés en fait. Voilà. Du coup, il y en a un qui fait caca immédiatement après avoir mangé. Et du coup autour, les gens qui mangent, bah ça les dégoûte de voir du caca, donc ils vomissent immédiatement après avoir mangé. Du coup c'est pas très productif comme bouffe quoi. Mais bon, c'est plus facile hein, pour le moment. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci, la pierre d'acide, merci beaucoup. Talmir, attends la vieillesse. Il y a eu quoi? Il y a eu un autre souci? Merci beaucoup. T'étais sur quoi? La déesse Lox, guide suprême. Important. Leur digestion différée. Ouais. Leur difection. Difestion. Bonsoir Kushiek. Zelda, Breath of the Wild. Incroyable. Ou n'importe lequel en fait. J'aime tous. Tous sauf un. On fait que deux. Pour le moment j'en ai pas eu beaucoup besoin. On a plein de choses à faire là. Faut que je construise. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci beaucoup. Salut, Braise... attendez, je vais bien le dire. Bradstinger. Bradstiger. Bradstiger, plutôt. Bradstiger, c'est simplement ça. Merci, bienvenue toi. Outiger. Bradstiger. Désolé. J'ai dit plein de façons différentes, il y en a peut-être une qui est bonne. Peut-être. C'est un pari. Ok.
Ben merci beaucoup, c'est adorable. N'hésitez pas à aller faire un petit follow à Gardacide, surtout s'il fait du Zelda en ce moment. Ça mérite quand même votre attention. Petite maisonnée. Voilà, regardez! Est-ce que si je mets des toilettes à côté, ils iront directement dans les chiottes ou pas? Ah mais vaut mieux pas, parce que le problème c'est qu'après si ça accumule des trucs, ça va dégoûter les gens. Salut Hertz, comment tu vas, City? Ok, ça fait des trucs, c'est très bien. Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Alors, une de bois et une de cailloux. Et je vais avant envoyer quelqu'un faire des missions. Je vais prendre des pièces. C'est vraiment ça. Chercher celui qui a le plus de chances de me ramener des pièces. J'en ai vu 2 à 85. Bah, ça va être encore hanté. Qui va m'amener de la moulaga. C'est ma meilleure gagneuse. Ensuite, on va... Ouais, ça c'est bien. On va mettre un truc de pierre. Même si c'est pas ultra important, j'en aurai sûrement besoin bientôt. Alors, des pierres, donc bon, voilà. Et ensuite, de bois, je pourrais pas. Je pense qu'il faut, parce que j'ai pas assez de thunes. Chier. C'est pas grave, hein. Apparemment, c'est sale. Effectivement, un chouille. Comme tu le sens. Ok. C'est gentil. Ça avance tellement lentement. Je travaille tellement lentement en vrai. Je veux vraiment me construire un truc de caca là pour qu'il fertilise tout seul hein, parce qu'il me saoule. Oh, j'ai plus rien. Bon, c'est pas... Je vais aller acheter des graines. Comme dans Zelda pour les raiders, ce jeu. On coupe l'herbe pour trouver... pour trouver des trucs, c'est pas faux. Mais vous pouvez décider... Vous pouvez décider de l'avenir de certains... De certaines games et... Il n'y a pas dans Zelda la possibilité de manger son caca. Je ne mange pas de graines. Non, mais les graines, c'est pour vous nourrir quand même, pour qu'on puisse après vous dévorer, vous. Oui, mais c'est pour ça que j'ai pas de thunes, c'est que je suis obligée d'acheter des graines. Oh, il pleut. Il pleut pas souvent dans le jeu. J'ai pas fait de sermon aujourd'hui. On y va. Ma chaise est prononcée qu'il peut pas vraiment mettre de manière optimale. C'est pas fou, ouais. Mais même les placements en général sont pas les plus pratiques, je trouve. C'est un style, mais c'est pas le plus pratique. Petite couronne ? Allez, let's go ! On va faire un précepte sur la richesse. Exaltation de soi ou de la communauté ? Débloque le rituel permettant de distribuer de l'or à tous les adeptes pour augmenter leur fidélité. Vous gagnez également plus 10 de foi. Marche pas comme ça la vie, hein. Rituel de l'avarice. Débloque le rituel permettant d'obliger tous les adeptes à vous donner des thunes. Oh. Le choix... Ouais, c'est... J'ai pas beaucoup de sous, hein. Je peux pas me permettre de la distribuer comme ça, moi. Je la demande. Oh punaise, c'est super cher comme rituel. Ouais, c'est... Voilà. Mais je le ferai pas, hein, évidemment. Le rituel de la reine. C'est ça qu'il fallait qu'on fasse. Attendez, est-ce que je l'ai toujours en mission? Oui, on va le faire. C'était Kusaki et Vendis. Je crois, hein. Ouais, c'est Vendis qui voulait péter la gueule à... Non, Kusaki qui voulait péter la gueule à Vendis. Let's go! Non mais on va le laisser en vie, Kusaki. Oh, oh, trop triste. Bon. Bravo, c'est vrai que c'était extraordinaire. Hein. Ah, je commence, c'était génial. Super. Bon.
Ça va un petit peu mieux, j'ai l'impression. Je vais refaire un peu de bouffe. Et puis bah, je vais attendre des sous. Hein. J'ai béni personne aujourd'hui. Telmir est tout vieux. Faut que j'accepte le cadeau de Kuzaki. Il est où ? En plus, c'est lui qui voulait se taper. Waouh ! Ils sont contents. J'apporte des cristaux. Ah oui, je sais ce qu'on va faire. On va aller voir celui qui veut des... T'as assez de pieux ou pas? Je pense. Celui qui veut des champis. Donc on a des champis à lui donner. Et puis voilà. Oui. Bah c'est Noi. On va voyager. On va voir la grotte au sport du coup. J'ai quand même quelques champis, je crois. On va voir. Ah, c'est trop mignon. Vous êtes au courant, ici a été tué. Je n'ai jamais aimé de toute façon. Je peux acheter des trucs, mais j'ai pas de thunes, j'ai jamais de thunes. Oui, mais tes croix sont extrêmement rares d'initier par notre superbe de grands oiseaux. T'aurais quand même de l'argent pour acheter des champignons, plus de champignons. Ils en font plus. Mais j'ai pas de thunes du tout, quoi. Bon. C'est ça le grand zozo? Salutations, camarade. Moi, je suis le grand zozo. Bien sûr. Zozo même de... Attends. Zozo même de recherche sur les champignons. Zozo est un pro de la cuillette. Alors, on le prend après pour un truffaut. Zozo est un plaisantin. Oui, oui, des champignons, c'est la spécialité de Zozo. Mais Zozo en veut plus et on n'aura jamais assez. Tu veux bien la pâte à Zozo? Oui, la Zozo. Ne peux pas faire confiance à ses adeptes, non, il ment, il faut qu'il prenne forme de son dos. Zozo le sait. Zozo fera tout ce que tu veux, Zozo te vénère. Il se dévoile encore ses âmes pour ta cause. Zozo t'arrachera la tête. Waouh! Zozo te montrera comment exploiter le pouvoir des champignons pour manipuler les adeptes. Tu n'auras qu'à les utiliser contre Zozo.
Oh non, Jojo te suivra de bon cœur tant que tu lui apportes des champignons. Jojo fera tout ce que tu veux. Oui, d'accord. C'est très long. Ah, il m'en faut 20. D'accord. Il flippe un peu, Zozo. Je m'en vais, hein. J'aime pas ici. Enfin, j'aime bien, mais j'ai pas de thunes. J'ai pas de champi. J'ai pas grand chose. C'est pas compliqué. On va pêcher un peu. T'as la voix de la plus baribo. Laquelle? Le courant, les chiens étaient tués. Ramènes de tout dragon. Pêcher. Ah. C'est pas grand chose, disons. Ah ouais, avec un cheveu sur la langue, ça aurait été pas mal. Dodo. Un plan. Oh, Stone Age. Trop bien. J'ai trouvé Stone Age. C'est rare. La toute petite voix. La petite voix comme ça. Pourquoi ils viennent pas à moi? Ah, voilà. T'avais pas vu la tête qu'il faisait quand il pêchait l'agneau? C'est très rigolo. Des barons. Et comment je peux les aider? Il m'avait demandé de l'aide et je sais plus comment je vais faire. Ah oui, les cristaux. J'ai jamais trouvé de cristaux. Hein. Faut que j'apporte des cristaux. Faut déjà que j'en trouve, quoi. Ok, rentre à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire là? Ah, vous choisissez mon destin. J'ai plus de graines, ça c'est saoul. Voilà. Niveau bouffe, ça va commencer à être chiant. Hein. Je vais peut-être mettre ce totem qui fait. Ah oui, mais il faut que je puisse le mettre. Qui fait tout pousser vite. Ça. Il me faut de la thune. Et ça, je sais pas beaucoup. Ça fait quoi une game quand on contribute avec des points de chaîne? Ça fait, tu vois, la petite barre violette là au-dessus du totem. Quand elle est remplie, ça lance une roue. Et une roue qui me donne des trucs. Soit un nouvel adepte, soit de la foi. Soit des pierres, du bois ou de la bouffe. Mais du coup, il faut que ce soit rempli. Et là, il faut encore 6 contributions pour que le totem soit prêt à être récolté, entre guillemets. J'ai fait mon serment aujourd'hui? J'aime plus, non. On sait voir si c'est in-game, ouais. Franchement, ouais. Parce que les quantités bah, peuvent être très, très utiles quand t'es en galère, quoi. Mais bon, après, si t'as, voilà, t'as une petite commu, ça va. C'est pas trop cheaté. Si t'as une commu ultra huge, ouais, un peu, je pense. C'est maximal de ferveur. Ah ouais, ça je... Et merci à vous pour vos contributions. Hmm.
qui t'a ici? Faut que je fasse aussi un truc, mais tu vois, j'ai vraiment trop besoin de thunes. Je sais pas trop comment les avoir à part un peu extorquer, mais ce sera juste limité quand même si j'extorque. Donc idéalement, faudrait que je reparte. Et Vandalou, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons surpris témoin Akares en train de voler l'un de nos camarades. Nous demandons justice. Cette vieille créature soit envoyée en prison. Moi j'accepte, mais je veux être sûr qu'il l'ait fait. Alors, c'est celui-là. Je sais pas comment lui demander. Ou je l'emprisonne. Je fais trop la tronche. Maintenant, faut que je passe à Infernalou et après, je pourrais le sortir. Ça se reset seulement au bout d'un certain temps. Ah, c'est pas trop broken. Ah oui, oui, d'accord. Tant mieux. Libéré. Désolé, c'était une blague. Ça va, il le prend pas trop mal en vrai. Bon. Il va vraiment falloir que je trouve des sous. On va y aller, hein. Ah ouais, trop bien. Ah, je veux ça. Aussi le fertilisant. C'est chiant de le faire soi-même. Je peux pas le construire, j'imagine. Et non. Faut 20 pièces pour tout. Un minimum, quoi. Ah, par contre, ils ont faim. Ça, c'est chiant. J'ai pas trop de bouffe, là. Un plat mortel. Être utile ça. Ah, sinon je fais ça hein. Mais ça enlève de la foi à chaque fois. Mais tant pis. Faire des plats d'herbe. Pour qu'ils aient au moins quelque chose pendant que je pars. Des os. Ça va pas vous plaire. Mais au moins vous allez bouffer. Parce que je m'en vais. Du coup bye bye. Choisissez mon destin. Ah ouais, non, comment il déteste. Oh, la vache. La vache, comment il déteste. Oh, je pensais pas que ça serait aussi fatal. Hein. Un petit peu de vérité là parce qu'ils ont vraiment détesté les plats d'herbe, mais j'avais pas de bouffe. Un cadeau limite.
Voilà. Enfin aussi Infernalou. Non mais on a compris, arrête. Oh, comment il spawn. Oh, chiant. Le jeu en fait quand tu fais une interaction il répète en boucle les mêmes trucs. On voit t'as pas été accepté. Ouais mais parce que ça va bugger je pense en fait encore. Je vais devoir relancer le jeu. Comme tout à l'heure. Est-ce que j'ai un autre cadeau? Récolter des ressources supplémentaires. Ah oui, ça c'est bien. On va y récolter des ressources. Bah il y va je crois. Non. Voilà. Bon, je voulais partir. Ouais, on va voir si je peux y aller. Pas trop de ressources. Hein. On a juste contribué au totem. Merci! Ah, ben non, faut que je fasse un sermon. La journée a recommencé. On va faire ça tout de suite. Ah non, quand je change de tête, le mien c'est devenu un fit. Après, si c'est par rapport au truc Twitch, ça marche très mal sur téléphone. Bon, là, d'autres fois, je fais ça après. Et voilà, il me déteste encore. Putain, fiche. Un autre cadeau. Est-ce que vous pouvez maintenant vous offrir ma vie? Je vous prie de me sacrifier. D'accord. Let's go. Je fais ça maintenant. Je peux pas. On fera ça plus tard. Arrêtez de vomir, je vous déteste. Mais pourquoi ils sont tous malades? C'est vraiment le plat d'herbe, ça les rend tous malades, c'est insupportable. Non. Non, non. Ah, je vais pouvoir faire de la vraie bouffe. Gémir, qui ça? C'est parce qu'ils sont malades tous. Du coup, ils viennent me voir et ils sont tout pas bien. Du coup, ils queen. Ils sont pas très fins, alors on va faire ça. C'était limite. Moi je fasse un truc pour améliorer leur foie après. Hein. Plus que deux contributions. Bon, pendant qu'ils font dodo, je peux pas partir. Mais ils ont un cycle jour-nuit un peu niqué, non? Ils se réveillent maintenant. On va faire ça. Un peu augmenter leur fidélité, j'aurais fait des plats normaux et puis je vais pouvoir partir, enfin sauvegarder et partir après. Parce que bah le jeu est encore bugué.
Voilà. Les opotents. Couronne, du coup, j'ai une nouvelle. Encore un nouveau précepte. Dans l'au-delà. Gardien de la sagesse ou le fardeau de la vieillesse. Tous les membres du culte regagnent de la croyance, respect des aînés, plus 5% de foi pour chaque adepte âgé. Croyance nouvelle génération. Tous les membres du culte gagnent de la croyance nouvelle génération, plus 6% de foi si un adepte âgé est tué, sacrifié ou dévoré, mais moins s'il meurt de cause naturelle. Ouais non, on va prendre l'autre. Hein. Parce qu'il n'y a pas de négatif en fait dans le truc des aînés, donc autant le prendre. Faire des décos sans que ça me demande des sous? Apparemment oui. Oh c'est mignon ça! Un petit baril de bougie, je vais mettre ça près de la cuisine, ça me semble logique, je sais pas pourquoi. Je vais rajouter quoi d'autre? Ah je peux faire des murs végétaux. Bougeoir en pierre. C'est mignon ça aussi. On va mettre ça pas du dodo. Des toilettes. Voilà. Donc ça fait des échos et du coup bah vu qu'ils ont la croyance aux idoles, enfin aux fausses idoles, et ben tout ce qui est déco ils aiment bien. Bon je dois me barrer par contre. Oui. Ça. C'est bien qu'ils arrosent pas les champignons. Ils arrosent que les citrouilles, ça m'énerve. Ah bah attendez, on va être bon pour les contributions. Attendez, on va voir ça tout de suite. Mais oui, j'ai inversé ici. Oh c'est chiant les citrouilles donnent pas forcément de graines, c'est trop chiant. Non, pas cela, c'est des connards et j'en joue pas avec eux. Salut Chacha, ça fait longtemps, merci beaucoup. Merci. Comment vas-tu? Un grand merci, vraiment. Il m'est sorti par la bite celui-là. Salut le panda de l'espace. Comment ça va? Vous êtes sur Animal Crossing ou pas du tout? Merci beaucoup. Alors meilleur jeu? Grave. Je suis giga. Il est vraiment trop bien ce jeu. Mais les citrouilles ne donnent jamais de graines de citrouille, c'est ça le projet? C'est naze. Ah si, c'est bon. Voilà. Ouais, il est exceptionnel ce jeu, j'aurais pas à dire. Hein. Oh, t'es revenu en paix! Il m'est sorti par la vie, celui-là. Merci Alexis Animo Turbo. I want to join the cult. De toute façon, je vais partir. Oh, j'ai de la moula, merci. Merci beaucoup pour vos follow. Merci Chacha. N'hésitez pas à la follow si vous voulez voir du Animal Crossing, il y a des trucs de dingue dessus. Je vais interagir, envoyer dodo. Voilà. Alors, je vais faire un truc. Merci beaucoup. Mais oui, oui, bah dès que j'ai un adepte, de toute façon, je fais le truc. Et je commence à voir dans mon chat que des adeptes. Ah, j'aimerais... Oui, je veux te voir dans mon culte. You want to be in my cult? Où ça je prends? Très chiant. Je vais mettre là. Oh, c'est mal placé. Tellement mal placé. Oui. Et ensuite, le truc à caca. Je peux faire le truc à caca? Évidemment que non.
Elle était gênante cette phrase. Non. Elle était parfaite. Ah, des petites gouttes de vomi. Ils sont tous malades parce qu'ils ont bouffé de l'herbe. Quelle bande de petites natures. Oh là là, mon truc à caca, elle est full. Alors, il en est où le bois? Oh, il travaille rapidement, Infernalou. Oh, il m'en faut 5. Let's go, vas-y, vas-y. Fais tout ce que t'as, Infernal Angelus. Oh, ouais, y'a ça. J'avais pas vu. T'avais les copains, mais très bien avec toi. C'est très gentil, merci. Oh, j'ai un nouvel adepte. Bah tiens. You want to join my cult? No problem. Je vais faire le truc à caca après. Là, on va faire ça. Attention, c'est parti pour tous ceux qui veulent joindre le culte. Vous pouvez participer. Maintenant. Ah, voilà. J'ai un petit bug, par contre. C'est que le jeu ne veut pas que je parte en mission tant que les viewers n'ont pas choisi un truc, mais un truc qu'ils ne peuvent pas choisir. Du coup, bon. Donc là, ça se trouve, ça sera bugué aussi. Non, c'est pas bugué. Ah si, peut-être un peu. Ah, ah ouais, ça marche pas. Ah, les votes, ils marchent pas. Ah oh, putain, je fais n'importe quoi. J'ai annulé le tirage, les votes ne marchent pas. Oh non! Non, 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 je veux ça au moins. Quand je teste de mon côté, bah ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Chier. Ah si, c'est bon. Ça s'affiche pas. Là, ça s'affiche. Mais oui, mais parce qu'il y a un petit bug, j'aurais dû relancer avant de l'accepter. Mais je pense que ça va pas marcher pour tout le monde du coup. On va voir. Et toi, ça va, petit Chacha? Merci beaucoup pour le raid. Ah, c'est moi? Merde. Je suis dans mon propre culte parce que j'ai voulu tester. Je vais refaire une dernière fois le tirage au sort. Oh non, mais ça a pas l'air de marcher. Hein. Voilà. Ah, mais c'est nul. Mais je teste, en fait. Et votre adepte. Non, bah j'ai annulé, donc non. Oh, oh là là, j'ai rechargé la page, le truc il n'aime pas. Alors, c'est trop bizarre. Ouais, non, mais ça marche pas en fait. Ça marche juste pas. Ça dit que j'ai gagné. Ah, ça veut pas. Bon, écoutez, on va l'accepter tel quel, celui-là. C'est pas... Hop, attendez, je vais choisir quand même son apparence. Je prends un truc qui a pas eu. Un petit cochon, tiens. On n'a pas eu de cochon, on n'a pas eu de rat. Oh, petit rat, j'aime bien. Attends. Oh non, un cerf, c'est plus joli. Où ça? Ça, j'aime bien. Ou c'était un peu chelou. Je vais prendre le cerf. Il est très cute. Pas de la couleur. Je vais le prendre en... Tout blanc, il est joli. Pas de variation. Comme ça, vanille là. Ok, lui il va prier lui. Tant pis. Pas sûr, Chamara ceci. Sa déco est sévère. Mais là c'est pas le problème que ça déco, c'est le problème que ça marche juste pas. T'as un petit camblèche. Go prier. Je vais me barrer moi. Je vais refaire un tout petit peu. Non c'est bon, il y a à manger. Tout va bien, tout est à peu près en ordre, on va dire que oui. Allez, je me tire. Juste, je vais vider les chiottes. Et on va partir. Ah non, je vais quand même prendre un copain. Peut-être prendre le truc qui octroie un cœur, ça peut être bien. Oh! Projectif vers l'ennemi, c'est bien ça. On verra ça plus tard. On devient 10. Parce que là, je vais pas pouvoir y aller, je parie.
Ah, il veut pas. Effectivement. On va sauvegarder. Et je vais arrêter la VOD là-dessus. Bisous VOD.